Une présidente d'une association raconte. Visite de la présidente de l'association, tous marocains et de partout, au centre de jeunesse d'Azrou. Un jeune. Bonjour madame, parlez-nous de vous. Madame Samani, je suis Samani Karima et je suis présidente de l'association tous marocains et de partout. Un jeune. Comment a débuté votre travail dans l'association? Madame Samani, dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association, j'ai fait la connaissance des membres de l'association. Ce jour-là, on a décidé d'organiser un événement sportif. Un jeune. Racontez-nous comment vous êtes devenue présidente de l'association. Madame Samani, au cours de l'année dernière, pendant une de nos journées de travail, je me suis présentée aux élections pour être membre du bureau de l'association. Après cela, nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommée présidente. Un jeune. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour? Madame Samani. Depuis cette date, nous travaillons tous à être utiles pour tous les Marocains au Maroc et à l'étranger. Une présidente d'une association raconte. Visite de la présidente de l'association Tous Marocains et de partout, au centre de jeunesse d'Azrou. Un jeune. Bonjour madame. Parlez-nous de vous. Madame Samani. Je suis Samani Karima et je suis présidente de l'association Tous Marocains et de partout. Un jeune. Comment a débuté votre travail dans l'association? Madame Samani. Dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association, j'ai fait la connaissance des membres de l'association. Ce jour-là, on a décidé d'organiser un événement sportif. Un jeune. Racontez-nous comment vous êtes devenue présidente de l'association. Madame Samani. Au cours de l'année dernière, pendant une de nos journées de travail, je me suis présenté aux élections pour être membre du bureau de l'association. Après cela, nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommée présidente. Un jeune. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour? Madame Samani. Depuis cette date, nous travaillons tous à être utiles pour tous les Marocains au Maroc et à l'étranger.